Aujourd'hui, la pollution tuerait plus que le sida ou le paludisme. En Europe, plus de 500 000 décès par an et plus de 8 millions dans le monde seraient provoqués par la pollution de l'air. Et nous, que faisons-nous? Nous aggravons notre situation en continuant de libérer des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, en brûlant des énergies fossiles pour les transports, en construisant toujours plus de centrales thermiques, en pulvérisant sur nos champs des produits chimiques. Notre comportement modifie le climat. Le réchauffement s'accélère. La biodiversité est en chute libre. Les maladies liées à la pollution de l'air deviennent un problème de santé publique majeur. Malgré les progrès technologiques de ces dernières années, les scientifiques en lien avec la COP23 prévoient un réchauffement climatique minimum de 2 degrés d'ici 2100. Si nous ne faisons rien pour remédier à cela, nous courons droit à la catastrophe. Nous, élèves de collège du module optionnel Action Communication de Grand-Quevilly, notre projet est d'assister à la COP24 en Pologne, d'y participer, de faire des propositions, mais surtout d'être acteurs de cet événement. Affiliés à l'UNESCO et avec l'aide de nos partenaires, nous comptons apporter notre regard d'adolescent sur la situation et transmettre un message. En effet, depuis la conférence fondatrice à Rio sur le climat en 1992, quasiment rien n'a changé sur l'état de la planète. En réalité même, il se dégrade. Les émissions de gaz à effet de serre ne font qu'augmenter et les mesures prises jusqu'alors n'ont pas été suffisantes pour réussir à arrêter ce réchauffement climatique dangereux pour notre espèce. Car ce n'est pas de sauver la planète et les animaux qui est ici un défi, mais nous, les humains. Nous qui sommes en train de causer notre propre perte. Notre projet initial, c'était de nous renseigner sur l'air, de comprendre et de réfléchir sur ce sujet. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes et qu'on en était en partie responsable. Donc ce que nous voudrions faire, c'est pouvoir réparer les erreurs que nous avons commises dans le passé et que nous pouvons commettre aujourd'hui encore. Puisque depuis Rio 92, rien n'a changé. Nous, les adolescents d'aujourd'hui, on aimerait bien vivre sans le doute constant que tout puisse partir en vrille. Nous voulons aller à la COP24 parce que nous voulons changer les choses. Les générations à venir ne pourront plus rien faire. Il faut donc remédier à cela. Nous allons en Pologne pour aller transmettre un message. Il faut vraiment stopper ça parce que sinon, nous courons tous à notre propre perte. Parce que nous, on est la génération future, nos enfants sont aussi la génération future. Et du coup, tout ce qui va se passer aujourd'hui aura une répercussion sur ce qui se passera demain. Il y a certes toutes les raisons de désespérer et d'abandonner. Eh bien non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Nous devons y croire et nous unir pour changer le monde. Pour que les jeunes d'aujourd'hui n'aient plus peur de demain, c'est pour cela que nous, vos enfants, les femmes et les hommes de demain, ressentons le besoin d'agir pour un avenir profitable, robuste et sain pour tous.